Kompleksiteti i marrëdhënieve mes lindjes dhe perëndimit, të shqyrtuara në mënyrë mjeshtrore përmes një vepre letrare, është subjekti i këtij kodeksi special me të ftuarin e sotëm në emision që është Mathias Senard, një shkrimtar francez shumë i shquar ndër më të shquarit e letërsisë franceze sot. Zotë Senard, mirë se erdhët në kodeks. Merci beaucoup. Për ju është hera e parë që jeni në Prishtinë, por keni ardhur në Prishtinë në forma të tjera. Po shoh një prej romanëve tuaja, tregoju për betejat, mbretërit dhe elefantët, ku ju flisni në fakt për Mesihin nga Prishtina, një poet, artist, ndims i vezirit Ali Pasha, i cili shoqëron Michelangelo, artistin e madh të rilindjes. Kush ka qenë në fakt ky njeri, Mesihi nga Prishtina? Alors, Mesihi de Prishtina était un poète ottoman, qui naît à la fin du XVe siècle. Donc on suppose qu'il est né à Pristina à cause de son nom. Mais les premières traces qu'on a de lui, c'est au moment où il est déjà un poète de cour connu, puisqu'il est le secrétaire du grand vizir qu'il protège, comme on faisait à l'époque pour les poètes et les artistes. Et donc il a cette position à la cour. Il est connu aujourd'hui encore dans la littérature ottomane pour un poème sur le printemps, par exemple, très célèbre, et aussi un poème sur la ville des Dirnes. Il ne reste pas beaucoup de sa poésie, mais néanmoins, il est considéré comme un des plus grands poètes du début du XVIe siècle. Po është një histori në fakt të shumë veçantë, sepse kemi Michelangelo Buonarrotin, artistin e madh të rilindjes, i cili shkon në Stamboll për të ngritur një urë që do të lidhte dy brigjet të Bosforit. Dhe është pikrisht një shqiptar, le të themi, Mesi nga Prishtina, i cili e shoqëron dhe duket në fakt tipik ndoshta shqiptar për të mos thënë edhe oriental me faktin që e shëtit Michelangelo në për qytet, e shëtit në para to kafehanët, pjetore të Stambullit, e njeh me disa prej prostitutave në fakt të Stambullit. Çfarë lloj atmosferi ishte kjo? Alors, à l'époque, à Istanbul, c'était une ville en pleine transformation. Les grandes transformations urbaines, bien sûr, ça faisait à peu près un siècle que les Ottomans avaient pris la ville. Et donc les grands travaux, plusieurs sultans avaient mis en route, par exemple, la construction de mosquées emblématiques. Bayezid, le deuxième lui-même, a mis en place tout un ensemble de mosquées, écoles, madrassés qui allaient avec, bazars. Et donc c'est une ville en pleine effervescence. Et c'est une ville qui vient d'accueillir aussi les réfugiés, pour ainsi l'appeler dans un mot moderne, et notamment les Juifs expulsés d'Espagne par la conquête des rois catholiques de l'Andalousie musulmane. Et donc c'est sans doute... Oui, voilà. Au moment de la chute de Grenade, donc en 1492, c'est-à-dire à peu près une quinzaine d'années avant le moment où le livre se passe, les Juifs d'Espagne sont installés par Bajazet à Istanbul en grande partie. Donc c'est vraiment une ville très cosmopolite. Les quartiers du nord de la ville sont encore des quartiers francs, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire vénitiens, génois, de commerçants d'Europe, et aussi, petit à petit, donc repeuplés avec des Juifs venus de l'autre côté de la Méditerranée. Et des musulmans, bien sûr, aussi de l'Andalousie musulmane.
Perandoria Osmane mbas është zgjatimi më i madh si thosh i lindjes drejt perandimit. Dim që dy herë Osmanët e rrethojnë edhe Vjenën. Cili në fakt është raporti i lindjes me perandimin në rrafshin kulturor? Sa shumë i ka dhënë Orienti si thosh perandimit, sepse duket sigurisht është një marrëdhënie shumë e vështirë, një marrëdhënie si thosh dashurie dhe urrejtje. Në njërën anë, perëndimi merr religionin prej lindjes, merr shumë çka prej kulturës të zënë bizantine, por pastaj duket sikur e refuzon. Me modernitetin duket sikur e refuzon të njohë një farforme anët lindore të identitetit të saj. Oui, c'est très juste. C'est vrai que on a l'impression que ce qui était finalement assez naturel et évident dans les relations entre l'Est et l'Ouest jusqu'à la Renaissance et au début de l'ère moderne ne l'est plus du tout à partir du 19e siècle et même aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sans doute le projet de domination de la France et de la Grande-Bretagne, des pouvoirs qu'on va appeler par la suite coloniaux, finit par briser un peu cette possibilité d'un rapport à parts égales. Et donc, en fait, ce qui était tout à fait possible encore au 16, début du XVIe siècle, c'est-à-dire que le sultan invite à Istanbul un grand artiste comme Michel-Ange pour construire un pont sur la Corne d'Or. Et inversement, on s'inspire énormément de musique, de littérature orientale au Moyen-Âge et à la Renaissance en Europe. Tout ça est très vite transformé par la volonté de domination économique et politique du Moyen-Orient par la France et les Anglais. Në këtë mes, shqiptarët janë ndoshta populli i Evropës që në mënyrën më të dukshme, si thosh, ka trashëguar kulturën lindore. Kjo për shkak të islamizimit masiv të shqiptarëve. Në diskursin publik shqiptar ka pasur një debat të vazhdueshëm, i cili hapet dhe rihapet kohë pas kohe, që ka të bëjë me identitetin e shqiptarëve. Si një orientalist që jeni, si duhet parë, si thosh, identiteti i një populli, si që janë shqiptarët, që janë i takojnë zonës kulturore të Evropës, por që kanë shumë trashëgimi kulturore nga lindja. Është një simbiozë shumë e vështirë. Bien sûr, tout d'abord, les Albanais sont aussi les héritiers de l'Empire ottoman dans les Balkans, mais pas uniquement. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans les cultures de langue albanaise, puisque on parle d'un très grand espace, donc c'est forcément aussi une diversité, hein, même à l'intérieur même du territoire où on parle albanais. Il y a évidemment un héritage qui provient de l'Empire ottoman, ben, l'islam, les bâtiments, certaines coutumes, des mots. Mais il y a aussi la rencontre, tout simplement, avec les langues slaves qui sont autour, avec les cultures, bien sûr, orthodoxes, catholiques. Donc on a aussi des Albanais chrétiens. Ce mélange, hein, cette difficulté aussi liée au contact avec l'altérité et la mixité, la complexité de l'identité et de la place des Albanais dans les Balkans s'explique justement par cette position frontière, en quelque sorte. Tek romani juaj tregoj ju për betejat, mbretërit dhe elefantët, ka shumë referenca historike. Si a keni bërë kur e keni shkruar romanin? Fillimisht studioni si tush periudhën, historinë për cilën po flisni? Ngjarë zhvillohet në Stambollin e fillim shekullit të 16 dhe dy personazhet kryesore janë dy artistë, një Michelangelo i madh si tush dhe një shqiptar, Mesihi nga Prishtina. Bien sûr, il y a beaucoup de travail préalable. Il faut étudier, savoir comment était Istanbul à l'époque, quels étaient les bâtiments qui étaient là, qui n'étaient pas là, qui était le personnel politique ottoman de l'époque,
comment est-ce que fonctionnait Istanbul, quelles relations avaient les étrangers avec les gens qui étaient de la ville, comment est-ce qu'on travaillait, et même qu'est-ce qu'on mangeait. Et donc il y a vraiment un travail très livresque de préparation. Mais après, il y a aussi tout un travail qui consiste à oublier ce qu'on a appris pour se concentrer sur l'histoire et sur les personnages, c'est-à-dire se concentrer vraiment sur la littérature, sur la façon dont on va raconter le récit. A ju përmendni Prishtinën shumë herë gjatë këtij romani, por vetëm këtë ditë keni ardhur për herë të parë në Prishtinë. Si e gjetët Prishtinën? E gjetët Prishtinën e Mesihit? Ben, j'ai appris qu'il y avait une rue Messihi de Pristina, justement. Donc le souvenir hein, de ces poètes et de cette période est toujours présent. Et, mais en même temps, ce qui est fascinant, c'est que c'est une ville extraordinairement moderne, bien évidemment, avec tous les défis hein, d'un pays neuf, toutes les questions politiques, mais aussi urbanistiques de quelque chose qui est en ébullition, hein, dont on sent la grande jeunesse et donc l'énergie qui se dégage de tout cela, et pas que en embouteillage, hein, je veux dire. Et c'est aussi assez fascinant de voir ça quand on arrive du dehors. Le të kalojmë tek libri juaj i dytë, tek romani Busull, që është libri edhe me cilën ju keni fituar Gonkyrin më 2015. Faktësërisht temë është Orienti. Këtu kemi personazh një orientalist që është Franz Ritter, një muzikolog në fakt, i cili është shumë i dashuruar pas Orientit. Shohim kur po lexoj këtë roman, që është që ka kaq shumë të dhëna për brenda, ka shumë fakte historike, në fakt më kujtonit Umberto Ekon. Vetëm se përderisa Eko shkruan atë shumë në romanet e tij për mesjetën e Evropës, ju keni shkruar shumë për Orientin. Si a bëni që futni gjithë këto dhëna, gjithë këtë erudicion brenda një vepre arti? Je lis et je prends des notes, puis ça se passe assez bien. Merci pour le compliment pour Umberto Eco. C'est un immense auteur. Bon, je suis beaucoup plus modeste. Disons que ce qui m'intéressait dans Boussole, c'était il y a un côté, bien sûr, un peu de transmettre des informations. Hein, ça, c'est sûr. Mais c'est avant tout un roman, et donc il fallait transmettre ces informations sur l'histoire de l'Orient, sur la Syrie, l'Iran, d'une façon romanesque. Et la façon que j'ai trouvée, c'était justement de raconter une histoire d'amour, ou plutôt une double histoire d'amour. L'histoire d'amour de Franz Ritter, ce musicologue viennois qui nous raconte l'histoire, pour Sarah, une femme dont il a rêvé et qu'il a aimée toute sa vie, et aussi sa passion pour l'Orient, c'est-à-dire pour les territoires qui se trouvent, on va dire, entre Istanbul et Téhéran. Et donc Franz Ritter va essayer de nous transmettre sa passion pour la culture, la littérature, l'histoire et la musique de l'Orient. Leoni të lexoj diçka prej romanit tuaj që ka të bëjë pikërisht me pjesën ku ju flisni për Ballkanin, për shqiptarët, për një prej poetëve më të mëdhenj shqiptar, për Naim Frashën. Skarsia mbështeste dhe madje idenë se poeti i fundit persi i Perëndimit, siç e quante ai, ishte një shqiptar që kishte thurur dy romane në vargje dhe shkruar gazele erotike deri në vitet 1950, ndërmjet Tiranës dhe Beogradit. Gjuha e Hafezit, kishte vazhduar të ujisë të kontinentin e vjetër pas luftrave balkanike dhe madje pas luftës së dytë botërore. E mahnitshmja këtu, shtonte Skarsia, me një buqeshje fëminore, është se këto tekste ndiqnin traditën e madhe të poezisë klasike, por duke ushqyer me modernitet. Ashtu si Naim Frashëri, kënduesi i kombit shqiptar, ky poet i fundit persi i Perëndimit, shkruan gjithashtu në shqip, madje edhe në turqisht e në greqisht. Por në një çast krejt ndryshe, në shekullin 20, Shqipëria është e pavarur dhe kultura turko-perse është duke dhe në shpirt në Ballkan.
Çfarë vendi duhet t'i lëm, si thosh, kësaj trashëgimie të Orientit në botën tonë? Është shumë interesante të shoj, të shihet se si ka disa autorë, siç përmendi ju në infrashën, i cili shkruan në shqip, po njëkohësisht shkruan edhe në gjuhë të tjera. Shkruan edhe në persisht, dhe është një poet i madh edhe pers, le të themi, ose i persishtës, po atë është edhe një poet i madh i shqipes. Një lloj dikotomie e çuditshme. Ben, ça ne l'était pas autrefois, en tout cas. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est de penser que la littérature écrite en persan, et donc dans une langue qui est d'origine, en tout cas qui prend son essor en Iran, mais qui ensuite, justement, a un destin absolument international, et l'immense succès de la forme, de la poésie, du razal en persan, fait qu'on écrit dans cette langue depuis Sarajevo jusqu'en Indonésie. Et donc c'est un autre monde, c'est une autre façon de lire un peu la carte du monde que de la voir à travers tous ceux qui ont composé des poèmes dans cette langue. Et donc évidemment des Albanais, mais aussi des Bosniaques, des Turcs, des Arabes ont composé des poèmes en persan. Et on adorerait avoir comme ça un espèce de grand atlas, hein, ou une très belle carte où on trouverait comme ça tous les textes et les chefs-d'œuvre écrits par des gens qui ne sont pas du tout iraniens dans cette magnifique langue poétique qu'est le persan. Një prej temave që keni pjesë të romanit tuaj është pikërisht raporti që kanë europianët me Orientin. Duket sikur është shumë i ngushtë nganjëherë. Duket sikur më shumë europianët janë njohur, janë tërhequr nga anët egzotike të Orientit dhe sikur jo gjithmonë kanë arritur të depërtojnë në shpirtin e kulturave të lindjes. Oui, c'est vrai que peut-être à cause de la grande violence des temps dans ces relations entre l'Est et l'Ouest, l'Orient, l'Occident, et puis de la puissance aussi des médias. On s'intéresse malheureusement beaucoup plus à des questions de politique, d'attentats, d'extrémisme religieux, que aux beautés de la littérature ou de la musique. Mais en même temps, on a des belles surprises. Par exemple, le succès de ce livre Boussole montre que, succès européen, hein, puisque c'est un livre qui a eu beaucoup de succès aussi en Allemagne, par exemple, ou en Italie, ça montre que les gens ont envie de connaître l'Orient d'une autre façon, qu'il ne soit pas uniquement par la guerre, le terrorisme, l'extrémisme, toutes ces images hein, d'une espèce d'uniformité noire qu'on cherche à montrer de l'Orient. Et donc, moi, je suis particulièrement heureux de voir que partout en Europe, on s'intéresse aussi hein, pour l'aspect esthétique de ces rapports. Tek Busula, ju shkruani për ndikimin që kam pas, që ka pasur kultura orientale ta zënë tek kompozitorët e mëdhenj si Franz Liszt, Mozart apo Beethoven. Duket sigur kamuflohet nga njëherë ndikimi i kulturës së Orientit në botën perëndimore. Kush është tjetri nga lindja për një Europian? A mos ndoshta ky raport i vështirë i Europianëve me tjetrin oriental e ka ndikuar edhe këtë lloj ndoshta islamofobie që ekziston në Europë dhe për më tepër që është ushqyer nga sulmet terroriste të kopaskoshme, siç ka qenë ta zëm ajo në Charlie Hebdo. Je pense pas qu'on essaye de la camoufler. Je pense que le meilleur ami de l'islamophobie, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas hein, toutes ces choses. Et depuis des années, tout ce qu'on leur montre des cultures du monde arabe, du monde turc, des Balkans, de l'Iran, ce sont des choses extraordinairement violentes et négatives. Alors, ça ne veut pas dire que ces aspects violents n'existent pas, bien sûr. Hein.
Il ne s'agit pas de nier les guerres, les attentats, les affrontements. Mais il faut quand même essayer de montrer ou de faire découvrir aux gens ce qu'il y a au-delà de ça. Et d'abord, la très grande diversité du monde musulman, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un bloc hein, où tout le monde serait pareil depuis le Maroc jusqu'en Inde. Et puis, il faut aussi essayer de... et ça, c'est avant tout aux Européens eux-mêmes hein, de le faire, de retrouver un intérêt hein, pour les langues, les cultures, l'art, la musique de l'autre. Et c'est à mon avis le seul moyen de retrouver quelque chose qui soit justement équilibré et à parts égales entre l'Europe de l'Ouest et le reste du monde. Studimet orientale në botën shqiptare nuk janë shumë të avancuara. Nuk është se njëhet shumë periuda e kur shqiptarët kanë qenë dhe temi shumë, kanë koketuar një farforme, ose kanë qenë shumë pjesë e orientet, sidomos gjatë periudës osmane. Gjatë studimeve tuaja mbi kulturën, mbi historinë e vendeve të orientit, sa shpesh i keni hasur shqiptarët, qoftë si personalitete individuale, qoftë si gjurmë të kulturës shqiptare. Ah, mais partout. Les Albanais sont partout dans l'histoire, notamment de l'Empire ottoman. Évidemment, tous les pachas d'Égypte, c'est-à-dire par exemple toute la dynastie de la première indépendance de l'Égypte, on va dire, à partir du 19e siècle, après l'expédition d'Égypte de Napoléon, ce sont des familles albanaises. Bien sûr, à cause de cette de la très forte dépendance aussi de l'État ottoman envers les Balkans, les soldats d'origine albanaise sont effectivement extrêmement puissants et importants dans l'Empire. Donc on croise partout hein, des Albanais. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est justement de voir que ce sont des gens extrêmement divers. Hein, depuis l'Égypte jusqu'à l'est de la Turquie ou l'Azerbaïdjan, et dans les Balkans, ou même des ambassadeurs. Donc, il y a vraiment c'est un peuple, à l'époque, hein, c'est-à-dire surtout entre le 16e et le 19e siècle, qu'on retrouve vraiment un peu partout au Moyen-Orient. Si duhet parë, si tush, në botën shqiptare ekziston një bindje që prezenca, si tush të qenit pjesë e parandurisë osmane, ka ndikuar që shqiptarët, Ballkani, të mbesin më mbrapa në krasje me pjesët e tjera të Evropës. Ju duket e vërtet, ju duket reale kjo gjykim? Est-ce que... Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toute la partie, disons, du sud-est de l'Europe. Je ne crois pas qu'il faille le voir en termes de retard ou d'avance, mais qui a été séparé hein, du reste de l'Europe pour beaucoup de raisons. Bien sûr, le fait que l'ex-Yougoslavie, par exemple, se soit pensé un peu comme un espèce d'empire du milieu, à la fois fâché un peu avec l'Union soviétique, mais en même temps pas forcément non plus ami de l'Europe de l'Ouest. L'isolement de l'Albanie, de Tirana et du régime de Hoxha a fait aussi que, pendant des dizaines d'années, l'Albanie n'ait presque pas de contact avec l'Europe de l'Ouest. Donc tout ça explique un peu une espèce de complexité de destin dans les rapports de cette partie du monde avec l'Europe de l'Ouest. Mais en même temps, je pense que tout ça change et s'accélère. C'est-à-dire que la mondialisation apporte aussi hein, le changement, le rapprochement, la rapidité des échanges. Et à mon avis,
assez vite, hein, on va vers une intégration européenne de toute la région. Tek libri juaj i tret, që titullohet Zona, në Shqip, kemi si narator Francis Mirkovicin, i cili merr një dosje dhe ka për detyrë ta dërgoj në Vatikan. Dosja përmban shumë histori si të shkrimi që lidhen kryesisht me një zonë të veçantë, që është pikrisht zona e Mesdhejut edhe Evropës qendrore. Çfarë lloj zone është kjo? Alors, l'avantage du mot zone, c'est que c'est une dénomination géographique à la fois précise, mais en même temps qui peut être n'importe où. Alors, ma zone à moi, c'est justement celle qu'on découvre hein, au fur et à mesure du livre. C'est la zone d'action de Francis, donc le héros. Ça correspond en fait à l'espace de la Méditerranée. Et c'est une Méditerranée, pas du tout celle, l'image qu'on en a aujourd'hui, du tourisme, de la plage, des palmiers et des belles voitures. Mais c'est vraiment la Méditerranée qui, depuis Homère, hein, depuis l'Iliade, est toujours en guerre. On a l'impression que l'espace méditerranéen a toujours été une très grande zone de combat, dans laquelle, depuis l'Iliade, on s'affronte, autrefois ici, maintenant là, après là. Voilà. Et donc, dans le livre, il y a deux conflits principaux, on va dire. Le premier, c'est les guerres qui suivent l'explosion de la Yougoslavie, ce que les Croates appellent la guerre d'indépendance et la guerre civile en Bosnie. Et aussi la guerre civile libanaise, hein, complètement dans l'est de la Méditerranée. Mais on va aussi retrouver complètement de l'autre côté la guerre civile espagnole, les guerres d'indépendance du sud hein, de la Méditerranée. Donc comme ça, une espèce de mosaïque de l'espace méditerranéen, mais vu à travers son côté le plus violent. Tek zona ka shumë si thosh pjesë ose shumë të vëna edhe për Ballkanin. Ktu kemi Kroacinë, Bosnjën, Serbinë, vende të tjera. Tani që ju po vizitoni Kosovën dhe keni parë vende të tjera të Ballkanit, është ende kaq i dukshëm diferenca dallimi ndërmes Ballkanit dhe pjesës tjetër të Evropës. Si e shihni ju përpjekjen si thosh të popujve të Ballkanit për të integruar ta zëm në bashkimin evropian dhe që shpesher është një lloj përpjekje për të ngjasuar mënyrës e jetesës të paktën në çështjen e mirëqenies së Evropës perëndimore. Encore une fois, c'est vraiment une question extrêmement diverse, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose selon les différents pays de la zone. Mais ce qui est vraiment extrêmement à mon avis est toujours très prégnant, c'est justement les traces de la guerre. Et l'État, finalement, laissé par la guerre. Et on a l'impression que, même si c'est possible d'arriver à la fin de la violence de guerre, à la fin des combats, la paix est bien plus longue à atteindre que cela. C'est-à-dire qu'une chose, c'est l'armistice, et autre chose, c'est la paix. Et la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer tout simplement d'un cessez-le-feu, d'un état d'arrêt de la violence, à la reconstruction et réellement la paix qui signifierait donc la fin réelle du conflit. Et malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui dans la région, c'est qu'on a l'impression que même si la violence des armes, heureusement, n'est plus là, le conflit n'est pas réglé pour autant. Ou les conflits même, qui sont extrêmement nombreux, que ce soit, on l'a vu là avec les dernières élections bosniaques, par exemple, ou le Kosovo. Énormément de choses dont on sait que voilà, la paix est là depuis... Enfin, en tout cas, l'armistice a eu lieu il y a maintenant près de 30 ans quand même, enfin de 20 ans, pardon, en Bosnie. Et pourtant, le conflit est toujours là, et toujours latent.
Donc la question, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut travailler à la paix, travailler à la compréhension, à la coopération régionale, et donc parvenir à la paix, qui serait la fin réelle du conflit. Një pyetje fundit, po shkruani diçka? J'écris toujours, tout le temps. Et oui, j'ai un projet de roman pour, sans doute pour l'année prochaine. Ah, mund të presim të kemi edhe aty ndonjë personazh shqiptar sërish? Non, je ne crois pas, malheureusement. Celui d'après encore. Ndoshta pas vizitës tuaj në Prishtinë. Oui, exactement. Sans doute, je serai inspiré par la ville de Pristina. Et dans un prochain roman, peut-être il y aura un personnage ou même la ville de Pristina en elle-même. Zotë Renard, falënderit shumë që ndot këto shkrime dhe leximet tuaja me shikuesit e kodeksit në koalicion. Non, merci, c'est très gentil. Këtë edicion të kodeksit, njësoj si së dhe gjitha edicionet e tjera, mund të ndiqni në kanalin zyrtar të koalicionit në YouTube, ndërku duke kërkuar ato qoftë mes faqes së kodeksit në Facebook apo duke na ndjekur në Instagram. Deri në kodeksin e të shtunës tjetër, ju paqë lexime të këndshme.